C'est un merveilleux thème que j'ai préparé à votre intention. Dieu retrouve toujours ce qui est perdu. Parmi les textes les plus beaux que Jésus a racontés, les histoires merveilleuses, les récits extraordinaires que Jésus a apportés se trouvent dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Vous trouverez trois récits, trois histoires de choses perdues et retrouvées. La brebis perdue. La drachme perdue, la pièce d'argent perdue, et le fils perdu. Trois situations où, quelque part, la brebis ne voulait pas être perdue, mais elle était perdue. La drachme ne savait même pas qu'elle était perdue, elle était perdue. Et puis le fils qui, lui, savait qu'il était perdu et qui voulait revenir. Une histoire un peu dramatique. La, la, la puissance de la perte, la, le drame de la perte, mais aussi la, la joie, la joie des retrouvailles et, et surtout la, la détermination du propriétaire des brebis ou de la drague de, de mettre tout en œuvre pour retrouver ce qui a été perdu. Mais la plus belle histoire est certainement celle-ci. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le Père leur partagea son bien et peu de jours après, le Fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya sur les champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Et il se leva. Et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le, vu, le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le, et, et le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Ce texte de Luc chapitre 15 est un texte tellement rempli de ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour des personnes qui sont perdues. On pourrait dire ce n'est pas seulement la parabole du fils perdu ou du fils prodigue mais c'est aussi la parabole du père généreux du père plein d'amour qui va attendre le retour de son fils. Un texte que vous avez certainement déjà lu et entendu parler dont vous avez entendu parler souvent mais je voudrais encore juste une fois ici rappeler quelques éléments importants. Ce fils va complètement manquer de respect face à son père, alors que tous les enfants disent « Je ne veux jamais que papa meure !» Ce fils va dire en quelque sorte « J'aimerais que mon père soit déjà enterré pour que je puisse avoir son héritage. » Lui, il ne voulait plus rester sur cette maison, il voulait voir la vie, il voulait voir les autres pays, il voulait, il voulait dépenser, il voulait voir autre chose, il voulait respirer un autre air. Et cet homme, ce jeune, rempli et bien sûr naïf, sans expérience, d'un ego démesuré, va Prendre simplement ce qui lui revient, bien sûr, le père le laisse faire, le père accepte ce partage et va encaisser la honte, va encaisser aussi tout, les, tout ce que les gens vont dire au sujet de cette famille. Ils vont parler tout bas, chuchoter, dire vous avez entendu ce qui se passe dans cette famille. Et il va devoir porter ce témoignage difficile d'une famille cassée alors qu'il n'en peut rien. C'est le choix de son Fils. Le Père lui laisse la liberté, tout comme Dieu nous laisse la liberté de faire ce que nous voulons. Mais il ne va jamais nous perdre de vue. Vous n'êtes pas perdu du radar. Vous êtes encore sous le regard du Seigneur qui vous laisse faire ce que vous avez choisi de faire, car il nous respecte et il nous laisse vraiment le libre arbitre. Ce Père va souffrir, je l'ai dit. Alors que son fils va partir, va s'éloigner. Et ce fils qui s'éloigne, qui veut faire la grande vie, qui va avoir des amis, qui va avoir de l'argent, qui pourra se permettre plein de plaisirs, va commencer vers une, vers une descente, vers une pente descendante. Et il va arriver dans une pénurie, il va arriver finalement à une perte totale. Ce fils a oublié une chose, qu'en quittant la maison du Père, il sort de la protection du Père, il sort de la bénédiction du Père, il quitte sa bénédiction, il quitte sa présence. Mes amis, lorsque nous faisons ce que nous voulons, nous devons toujours rester dans la présence du Père céleste. Même si Dieu nous voit, nous ne devons jamais emprunter des chemins dangereux pour être des perdants comme ce Fils a été perdant. Ne quittez pas la protection du Seigneur, ne quittez pas sa présence ni sa bénédiction. Et alors, ce fils arrive finalement au bout de lui-même, au bout du rouleau. Le texte nous dit qu'il qu n'arrivait plus même à manger à sa faim et il n'avait plus d'amis, bien sûr, parce que tant qu'il y a de l'argent, il y a des amis, mais là dans le fond de sa détresse dans le fond de sa de son trou de de, de, sa, de sa de sa mort qui approche il repense à son père il commence à aimer son père mais son père n'est pas là son père est absent son père est loin de lui il voudrait tellement le retrouver il a la nostalgie de la maison il voudrait tellement revenir et le texte sur lequel nous pourrions encore tellement dire de choses mais je ne vais pas trop rallonger juste je vous laisse méditer sur ces quelques paroles. Ce texte nous dit Rentrer en lui-même. C'est là qu'il va vraiment prendre le premier pas et faire ce pas de la repentance. Il va changer d'avis sur lui-même, mais aussi sur son père et finalement sur sa vie. Rentrer en lui-même, il dit Ah, j'aimerais tellement rentrer. Et il va rentrer à la maison. Ça, c'est dépasser les bonnes intentions pour se mettre en action. Et il se leva et il rentra. Je connais bien des gens qui ont formulé des bonnes résolutions. Ah, il faut que ça change. Ah, je voudrais faire ceci. Ah, je vais, je vais faire ce que tu me dis, pasteur. Mais ils en sont restés sur les bonnes résolutions. Ils ne les ont jamais mis en pratique. Les bonnes résolutions ont été mises dans un tiroir et rien n'a bougé dans leur vie. Ils sont restés les mêmes. Mais ce fils va se lever non seulement une bonne résolution mais il va se mettre en marche et dans l'humilité il va revenir et quel accueil quel accueil et c'est là que la, la dimension du père merveilleux du père généreux du père d'amour se, se met en valeur et ça c'est l'image de, de votre Dieu de votre Seigneur qui vous aime et qui vous voit revenir vers lui dans sa volonté qui vous voit s'approcher et qui vient vous embrasser, qui vient vous témoigner son, sa tendresse, son amour et ses encouragements. Et le Père va, va remonter finalement ce Fils du fond de son abîme, il va le, le remettre vraiment au niveau des Fils, il va lui donner un, 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 un anneau au doigt, qui est la, le symbole que recevaient les Fils de la Maison. Il va recevoir un habit nouveau, ses haillons vont disparaître, un habit neuf va être le symbole du revêtement de la justice de Jésus. Et ensuite, il va recevoir des chaussures, une protection, qu'avaient aussi les fils face aux esclaves. Il n'est plus esclave, il n'est plus un mercenaire, il est un fils. Il a une position, un statut. Il retrouve ce qu'il avait perdu et il va apprécier l'amour du Père. Et il va retrouver, la, il va rencontrer et, et trouver peut-être pour la première fois la joie d'être à la maison, la joie d'être à la maison. Mes amis, combien... Il est important de vivre dans cette harmonie avec le Père, le Père qui vous accueille toujours. Alors que ce texte, tellement connu, soit pour chacun de nous un immense encouragement à ne jamais quitter la présence du Père, à ne jamais quitter la bénédiction du Père, à ne jamais quitter sa protection. Que Dieu vous bénisse et restez toujours heureux, mais à la maison du Père. A bientôt.